c'était un beau festival. J'ai adoré la gentillesse de tout le monde, enfin, on a été conquis tout de suite. Je connaissais pas en plus l'île d'Yeu, c'est magnifique, ça fait... Donc c'est que du bonheur, vraiment génial. Enthousiasmant, festif, de la fatigue, l'amitié, une grosse connerie, un projet complètement dingue, la fête, partage, bénévole, famille, joyeux et musique. Bah, Viens dans mon île, maintenant c'est associé à Thomas, quoi. C'est une fierté, moi, dès que tu m'as proposé ça, ça a été une fierté immense, que en plus ça porte le nom d'une de mes chansons. J'étais vraiment hyper fier et puis j'ai adoré la gentillesse de tout le monde, enfin, on a été conquis tout de suite, on a été super bien accueillis. Non mais je me rappelle justement qu'on a super bien mangé, que tout le monde était gentil, et tout le monde adorable, et puis on s'est baladé dans l'île en vélo, c'est trop beau. Faire de la scène, faire une tournée, c'est quand même un des plus beaux métiers du monde, je veux dire, c'est tellement riche en bonheur, en émotion, de partager des moments avec le public, de se marrer, d'avoir des envolées musicales, c'est extraordinaire, quoi. C'est un bonheur. Et puis voilà, avec un public souvent charmant et tout ça, et le public devient... Oui, effectivement, on s'est senti accueilli. À la fois, c'est un beau festival, un gros festival, vous avez des noms super et tout ça, mais on n'a pas de pression, parce que comme on l'a connu au début, puis que vous êtes hyper gentil, c'est juste que du bonheur. Et ça, c'est vachement important, nous, sur la route, l'accueil, la gentillesse des gens, l'accueil, c'est ça qui nous met toute l'atmosphère du truc. On va parler de ton nouvel album, parce que mine de rien, c'est quand même un vrai challenge dans cette période, et puis ça marche super. Ouais. Bah, écoute, voilà, on a fait un disque qui s'appelle Frenchie. Donc le principe, c'est on voulait faire un disque, on cherchait une idée de projet pour faire des concerts ailleurs que dans les pays francophones. On a repris des chansons de toutes les époques françaises qui ont fait le tour du monde. Et après, on a invité des gens... Et voilà, l'idée c'était ça aussi, d'inviter des stars internationales et pas françaises à chanter avec moi. Tous ces festivaliers qui se retrouvent cette année sur une année vraiment particulière. Et est-ce que tu as un petit mot à leur dire à tous ces gens-là? Le plus important, c'est la santé, donc il faut faire attention, voilà, c'est ça, c'est clair. Et ensuite, bon, bah, il faut se dire que ce plaisir-là va revenir un jour ou l'autre, c'est sûr. On espère l'année prochaine, on espère dans 6 mois. Il ne faut pas désespérer, le bonheur, on peut déjà s'écouter de la musique entre amis, exact. Et puis les concerts vont revenir, et ça va, justement, on va reculer pour mieux sauter. Oui, il y a un état d'esprit adorable, vous avez de la chance de vivre comme ça dans un pays rempli de positive vibrations. En fait, c'est une île de Rasta, l'île d'Yeu. C'est ça, mais tu connais Rasta, les îles, cool. Les îles. Ouais, ouais, bah ouais. On se croirait dans les années 50, quoi. Je sais pas, il y a un truc, c'est incroyable, quoi. Tout va bien, quoi. Il y a genre... Enfin bon, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Évidemment, derrière nous, qui sommes là, il y a toute une équipe de bénévoles, d'organisateurs. Est-ce que tu aurais un petit mot à leur dire? Je les embrasse très très fort, j'ai hâte de les revoir. Voilà, on se fera des câlins, des bisous, on fera plein de guitares. À l'année prochaine, on vous attend avec impatience. On compte sur vous. À l'année prochaine. Ah, il nous manque. Vivement l'année prochaine. Prenez soin de vous, on a hâte de vous retrouver. On vous attend tous l'année prochaine en espérant que tout se passe. À l'année prochaine, rapidement. Pour nos amis festivaliers, ben on va se retrouver l'année prochaine. J'espère qu'on les reverra tous l'année prochaine et nombreux. Alors qu'ils se reposent bien parce que l'année prochaine on rattaque et ben, il va falloir être en très grande forme. 2021, on est là. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi, c'est là-bas, parce que je crois que tu mérites largement... C'est un petit peu lourd, hein, fais gaffe. D'habitude, c'est des tours Eiffel comme ça, mais là, ça sera la Mourgate d'or, parce qu'en fait, c'est notre... tu connais, c'est notre mascotte, hein, la Mourgate. Super. Et bien, écoute, elle est en or. T'as vu, là, c'est celle que tu mérites. Elle va trouver sa place dans tous mes... dans mes babioles. C'est l'objet kitsch, mais... non, j'adore. Mais toute une histoire. Ça me plaît, j'adore les poulpes. J'adore. Oh, bah, merci, ça me fait... J'adore, regarde, je vais lui trouver un endroit, parce que là, il risque de tomber, on va lui trouver un... Je vais la disposer, je te remercie beaucoup. Ah bah non, écoute, merci à toi, Thomas. Merci. Bah non, on peut pas. Merci pour ta gentillesse, ta fidélité, et puis... Écoute, merci pour tout. Ouais, merci à vous, c'est moi qui vous remercie.